Pardon, ici Panix, comment allez-vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Titanfall pour ne pas changer par rapport à la dernière vidéo, effectivement. J'espère que vous allez bien. Et tout simplement, dans cette vidéo, on va parler de quelques petites choses. C'est tout simplement des défauts aussi que je trouve à Titanfall, parce que la dernière fois, j'ai parlé que des points positifs et de choses qu'ils y disent, etc. Et également parler de l'e-sport tout simplement dessus. Comme vous le savez sûrement, il y a un Desserto France qui est en partenariat avec TF e-sport, et du coup je pense pouvoir affirmer que ça sera assez professionnel, et ce qui changera un peu d'autres organisations d'e-sport. Donc on va commencer tout simplement par les défauts. Alors, ah oui, aussi pour présenter le gameplay très rapidement, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, hein, c'est tout simplement nucléaire sur Titanfall. Hein, on est en chasseur de pilotes aussi, et c'est donc de la team deathmatch tout simple. Seuls les kills de pilotes comptent, parce que les titans et les bots, je trouve que ça ne devrait pas compter, à part peut-être les titans encore. Bon, pas plus en tout cas, enfin bref, vous l'avez compris. Alors dans les défauts du jeu, pour moi, après avoir vu le jeu grandir et grandir, c'est-à-dire après quelques semaines quand même de jeu, on se rend compte de pas mal de défauts, notamment avec la communauté qui grandit et qui commence à jouer, qui commence à profiter tout simplement des armes, des atouts qui sont abusés ou simples ou cheatés comme certains diraient. Oui, effectivement, bon, après on va me crier dessus, ouais, on n'est pas sur code, il n'y a pas d'armes cheatées comme sur MP. Non, franchement, le jeu est très bien balancé jusqu'à ce que tu arrives à des trucs quand même un peu fils de pute, comme par exemple la charge en sacoche ou la mine à arc. Quand tu es en CTF puis que tu décides de jouer l'objectif, que tu vas, petit triple frag en passant, que tu décides d'aller sur le drapeau, que tu tapes une mine à arc qui te one shot, la mine tu la vois pas, et je fais un petit bruit, une demi seconde, ah, j'exagère, demi seconde, hein, avant d'exploser, ça t'aveugle, hein, si jamais ça te tue pas, ça t'aveugle comme une grenade à arc, et ça te one shot, ça fait beaucoup plus de dégâts que... Ça te one shot presque tout le temps, enfin je sais pas, mais ça te one shot pas mal, ça te one shot pas mal. Là vous pouvez voir aussi, j'utilise le lanceur de grenade qui est pas trop mal, mais ce temps-ci j'ai découvert le fusil à charge que je surkiffe. Je trouve vraiment très puissant quand on tire dans les points critiques, ça fait très très mal. Et le lance-grenade est plus pratique avec les cibles plus proches et qui sont plus... où on a plus de mal à tirer dans les points critiques. Bref, et donc ces mines à arc, c'est posé sur le drapeau, pile dessus, où on peut vraiment pas les voir, c'est franchement très désagréable. Et le pire, c'est encore ceux qui mettent des charges de sacoche à côté, qui se mettent dans un coin, accrochés au mur, avec leur fusil à pompe, et qui font tout péter dès que t'arrives. Du coup, t'as aucune chance de prendre le drapeau. Voilà. Vous allez me dire, après je peux respawn, j'y retourne, et puis voilà, bon, eux ils peuvent refaire pareil, reposer. Et voilà. Mais c'est vraiment. Je trouve ça vraiment pas. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, aucun but, ou l'amusement là-dedans, ou le fun. Et j'espère vraiment qu'ils vont remédier à ça, parce que normalement ils vont faire pas mal de patchs. Beaucoup de trucs qui sont prévus pour bientôt, mais. Pas quand ça va arriver. J'ai foiré celui-là, du coup je pense que je vais prendre mon titan. D'ailleurs dans ce gameplay j'ai pas trop utilisé le titan encore, quoique dans la deuxième partie du gameplay encore pas trop mal. Je vais avoir un peu abusé. Et une petite astuce aussi, vous remarquerez quand je sortirai du titan, c'est que j'ai canon 40 mm qui fait très malin, hein, d'ailleurs j'aime beaucoup pour les points critiques, c'est pratique. Vous remarquerez que j'ai toutes mes munitions et mes grenades qui sont retournées donc chargeant, en gros, quand vous rentrez dans votre titan, vous avez un restock de vos munitions, ce qui est intéressant à savoir. Et si vous jouez avec ça dans sa coche ou mine à arc, je vous conseille vraiment vivement de ne pas faire ça si vous ne voulez pas que je vienne chez vous vous égorger. Voilà, tout à fait. Sinon, un autre petit truc qui est... Bah, qui est chiant, mais en même temps, vous allez me dire, voilà, ça...
pas non plus. Enfin bref. Les cartes, les burn cards, les cartes, je sais plus comment c'est en français, comme je suis à côté de la bêta. Cartes à brûler, je sais pas. Enfin bref. C'est. Disons que c'est des défis un peu aléatoires à avoir. Quand on fait des prestiges, bah c'est facile de les avoir. Je sais pas comment ça se passe si au dernier prestige, comme on a fini tous les défis, on n'a plus de burn cards à gagner quoi. Enfin bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on voit des gars qui sont invisibles H24, bon ça, on s'en fout, hein, vous êtes vraiment pas discret, sauf si on est en titan. Le stimulant, j'ai un gameplay dessus en bêta. J'avais fait du 25-0 aussi avec, qui est vraiment, mais vraiment abusé, parce qu'on récupère de la vie, et puis en même temps on va super vite, impossible de vous avoir. Et finalement aussi plein d'autres trucs, les armes qui sont beaucoup plus puissantes, etc. Je trouve pas que ça devrait être autant aider. Ou le pire, c'est avoir les gens qui sont toujours sur la map pendant toute ta vie, ça, pareil, moi je l'ai, je crève pas de la partie. Et vraiment, enfin bon. Voilà, c'est juste des petits trucs comme ça que je trouve qui ont été mis mais qui n'étaient pas forcément top, et aussi bien entendu le manque un peu de mode qui permet qu'on se lasse très rapidement du jeu peut-être. Moi pour l'instant je me lasse pas du tout en tout cas. Et j'espère vraiment pouvoir faire de l'e-sport donc sur ce jeu, parce que j'attends vraiment ces serveurs privés. Ils seront normalement dans la prochaine mise à jour, j'espère fortement. Ouf, très joli coup de snipe. J'ai joué beaucoup dans le titan. Et du coup, bah, vous avez vu justement peut-être le Twitter TF eSport. D'ailleurs, pour moi, l'abréviation Titanfall, ça devrait être TTF pour les syllabes. Je suis un t-shirt, TF, ce serait plus Team Fortress. Donc, ils ont appelé ça TF eSport, d'accord? Donc ils vont faire les règles dès que les serveurs privés seront sortis pour voir ce qu'on fait. Je sais pas, j'espère que ce sera du 6 contre 6 parce que c'est quand même des maps assez grandes. Ce sera peut-être du 5 contre 5, qui sait, ou je sais pas. On a 4 contre 4, je pense que ce serait vraiment léger. Ah oui, les maps grandes, ça c'est un défaut que tout le monde dit, ouais, la trop grande c'est chiant. Moi perso, j'ai pas de souci à trouver des ennemis en étant sur des maps très grandes. Hein, enfin, ça m'empêche pas de faire des gros scores, des gros kills. Finalement, donc moi je trouve que dans ce jeu, l'e-sport franchement il a ses chances, même si beaucoup le disent qu'il est juste orienté fun, etc., qu'il est critique, qu'il n'y aura jamais d'e-sport. Même avec les titans, il y a moyen de faire quelque chose de très intéressant, justement de devoir gérer les titans, de devoir gérer... parce que si on balance chacun son titan tour à tour, il y aura forcément un moment où, si les autres décident de tout balancer d'un coup, bah, ils vont nous exploser tout simplement. Et ça risque d'être très compliqué pour nous. Et voilà. Après, il y a aussi les maps, les déplacements qui sont géniaux. Franchement, la CTF, pour avoir joué plusieurs fois avec tout un groupe de potes de la EL, Sniping, à l'ancien des anciens Sniping, et Ricky. C'est vraiment folie, c'est de la folie, franchement j'adore, ça bouge beaucoup. Après il faut, en plus, je sais pas si vous remarquez, mais essayer d'aller tout seul en CTF, de gagner, vous verrez que c'est un peu différent que d'y aller entre potes. C'est franchement beaucoup plus difficile parce que voilà, vos potes sont des randis, ils comprennent pas qu'il faut jouer sérieux ou je sais pas, enfin bref, pas sérieux, je demande pas être sérieux, mais au moins de pas être des randis qui foutent pas de kill, qui foutent rien. Point clé intéressant aussi, maintenant c'est le troisième mode qui m'intéresse un peu plus, à savoir peut-être du chasseur de pilotes, peut-être de l'attrition. Moi je suis pas fan de l'idée d'avoir un TDM, mais bon. Là normalement peut-être que j'ai montré mon score, je sais pas. Normalement je devrais déjà être à 25-0, sinon il va falloir compter les kills que je fais dans l'épilogue. Oui, donc l'e-sport, franchement. Pour moi, l'e-sport va se développer sur Titanfall, va réussir seulement à propos des acteurs, c'est-à-dire les gens qui vont gérer TF eSport seront les seuls à faire en sorte que le jeu marche en e-sport ou non. Et ça, on saura que pour le futur. Mais je pense que le jeu a toutes ses chances de marcher en e-sport. Et vraiment, les titans, etc., ça ne pose pas de problème à ce niveau-là. Bon, enfin bon.
Est-ce que je peux penser à quelque chose d'autre pour l'e-sport? Je pense que j'ai un peu tout dit, il n'y a pas vraiment grand chose à dire. Hein. C'est vrai que vous allez me dire j'ai fait de l'e-sniping. C'est vrai que je suis pas forcément placé pour vous dire l'e-sport ça va marcher là là là. Mais TF est vraiment un jeu qui bouge beaucoup et qui est intéressant. Et je pense qu'il peut vraiment, vraiment faire quelque chose de. On peut vraiment faire quelque chose de bien là-dessus. Donc vous voyez que je suis à 25-0. J'étais encore prestige 2, j'avais passé bientôt prestige 3. Et maintenant je suis prestige 5 là, à l'heure à laquelle je vous parle. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ce petit gameplay et ainsi que tout simplement ma petite discussion, que ça vous aura intéressé. Si vous voulez réagir, vous pouvez toujours réagir dans la barre des commentaires. Et si vous avez apprécié, comme je vous l'ai dit avant, vous pouvez me laisser un like, ça me ferait toujours chaud au cœur pour me dire que vous appréciez mon travail. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao, ciao.